Salut à tous et bienvenue pour la deuxième partie de ce tutoriel. Alors dans un premier temps, je comptais m'excuser parce qu'en fait j'avais prévu de le sortir le soir même, mais j'ai eu des super gros problèmes de connexion et donc du coup j'ai pas pu organiser et monter la deuxième partie de ce tutoriel. Donc on va arrêter de raconter sa vie et puis on va faire un clic droit dans le Media Pool, New Fusion Composition, et on va mettre la durée à 10 secondes et puis je vais changer le titre, on va mettre Outrun parce qu'en fait aujourd'hui donc on va faire l'Outrun et on va faire une animation complète. Donc on va aller dans la page Fusion, voilà, donc maintenant on est dans la page Fusion, ok, et puis on va commencer tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit dans le node graph, Arrange Tools to Grid pour organiser son travail. Ok, maintenant on va prendre un background et puis on va commencer avec quelque chose de facile. On va faire un soleil, d'accord. Donc pour ça, je vais juste changer la couleur en vertical, d'accord, le type de couleur en vertical. Et puis là, dans la première couleur, je vais choisir, en fait là, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre une couleur rose comme ça. Et puis en descendant, on va pouvoir appliquer une deuxième couleur, d'accord, à la place du noir. Donc je vais prendre un jaune comme ça. Ok, maintenant je vais prendre une ellipse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un masque rectangle. Et puis là, je vais le réduire comme ça. Okay. Je vais l'allonger un tout petit peu. On n'a pas besoin de faire quelque chose de super gros. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le mettre en subtract. Voilà, comme ça. Et puis je vais le descendre un tout petit peu. Je vais réduire également la taille. Voilà. Je vais faire en sorte qu'on voit quand même la moitié. Voilà, là on est plutôt pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le copier et le coller. Et le deuxième rectangle, je vais le descendre un peu en dessous. Et puis on va en remettre un troisième. Et puis je vais le descendre également. Voilà, quelque chose comme ça. Là on est plutôt pas mal. J'aime bien le résultat. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'après ce background, on va appliquer un soft glow. Et puis maintenant, avec le soft glow, on va augmenter le glow size. Ok, on peut le monter un tout petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Là, ça me plaît, c'est plutôt pas mal. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on peut appliquer un transform node ici. Et juste avant le transform node, parce que de toute façon, on ne va pas toucher à tout ça. Donc, je vais regrouper ça. Et puis, je vais l'appeler Sun. Ok. Hop. On va l'appeler Sun. Et en fait, le transform node, là, va nous permettre tout simplement de contrôler la taille de notre objet, okay, sans avoir à bouger quoi que ce soit. Ok, on y est. Donc maintenant, je vais mettre ça de côté. Et puis, on va commencer à construire une grille. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un background. Okay. Et puis là, on va faire comme la dernière fois. On va aller dans Images. Je vais décocher Auto-résolution. Et puis, en fait, on va faire un carré. On va faire 800 par 800. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis maintenant, on va appliquer un masque rectangle dessus. Et on va pousser le width et le height au maximum. D'accord? Pour avoir ça. Pour remplir, en fait, notre viewer. Je vais décocher solide maintenant. Et puis, je vais augmenter le border width. Voilà. Là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer la couleur de mon background. Donc, je retourne dans le color tab. Et puis, je vais choisir un bleu comme ça. Un bleu électrique. Ok, voilà, quelque chose comme ça. Ça me convient, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un transform node. Ok, voilà. Et on va pas tout de suite changer ses paramètres, mais on va voir comment on va l'utiliser. Et d'ailleurs, c'est ce transform node là qu'on va animer. Mais pour le moment, en fait, ce que je veux, c'est repasser ce carré là, d'accord, ce carré là en espace en 1080p. D'accord, en 1920 par 1080. Donc pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un node qui s'appelle crop. Crop. D'accord. Et là, en fait, on voit que notre objet est intégré dans un espace en 1080p. D'accord, en 1920 par 1080. Donc là, en fait, on peut bouger l'objet comme ça. D'accord, on peut le recentrer, etc. Voilà, avec le offset. Voilà. Double clic si je veux remettre les paramètres à 0. Là, c'est pareil. Là, c'est pour changer l'aspect, d'accord. On peut l'agrandir, on peut le rétrécir. Ok, voilà. Donc, on verra les autres types d'applications qu'on peut avoir avec ce node quand on l'utilisera plus profondément avec ses propriétés. D'accord. Donc, maintenant, on va retourner dans le transform node
Et puis là, en fait, on va trouver Ages et on va changer Canva en Wrap. Et là, on voit qu'on commence à avoir notre grille. Donc maintenant, on n'a plus qu'à prendre le size là, et puis à réduire. Voilà, quelque chose comme ça. CTRL F pour recentrer notre écran. Là, ça me semble pas mal. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une animation. Et pour ça, je vais faire une expression. Donc, dans le center Y, je vais mettre un signe égal. Et puis là, on a une nouvelle boîte de dialogue, d'accord? Et on a point 0,5, virgule. Et juste après la virgule, on va taper time slash moins 50. D'accord? Time slash moins 50. Maintenant, si on regarde notre animation, on voit que notre grille est bien animée. Comme ça. Ok. Après ce node crop, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un soft glow. Ok. Un soft glow. Comme ça. Ok, ça me convient. Et puis maintenant, on va aller chercher un autre background. Donc moi, ma méthode, c'est que je clique directement dessus. Il va s'ajouter, mais il est en foreground, d'accord, dans l'entrée verte. Donc je vais juste cliquer sur mon merge et faire CTRL-T pour inverser le branchement. Voilà. Donc j'ai bien ma grille. Et après ce merge-là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un nouveau node qui s'appelle DVE. DVE. Et en fait, ce node DVE, il est assez cool. Parce qu'en fait, si on regarde, je vais le mettre là, voilà. Et en fait, ce node, il nous donne la possibilité d'incliner notre plan dans un espace 3D, d'accord? Donc là, on peut l'incliner comme ça, d'accord? On peut jouer avec, d'accord? Hop, voilà. Et on reviendra, il a plusieurs propriétés, et on verra ce qu'on peut faire avec, d'accord? Donc là, si on clique sur la petite molette juste là, c'est un reset, d'accord? On le remet à 0. Et je vais le mettre, en fait, à moins 90, à peu près à moins 90, voilà, on verra après ce que ça donne, d'accord, et puis je vais juste prendre le repère là au milieu et je vais descendre ma grille, d'accord, voilà, là on est pas mal, et on voit qu'au bout là, on a des problèmes comme ça, d'accord, donc en fait le layer il est en perspective, et d'ailleurs on va descendre et on va augmenter la perspective, comme ça, d'accord, voilà. Moi, je le mets autour de 0,25, ça me convient, mais on a une déformation de nos carrés. Donc, pour changer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le Transform Node, et puis on va descendre l'aspect. D'accord? Voilà. Donc là, je retrouve bien mes carrés. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le DVE Node, d'accord? Et puis là, on va trouver Z Move, parce qu'en fait, je veux corriger, je veux couvrir toute la surface de mon écran, comme ça, d'accord? Et pour ça, en fait, j'ai juste à descendre mon Z Move. D'accord, voilà. Et là, ça me semble plutôt pas mal. Ok, je peux redescendre encore ma grille un tout petit peu. Voilà, là on est pas mal. Ok, on verra après comment on peut corriger ça. Ok, donc si on fait une lecture, on a bien cette animation. Ça me convient, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais pouvoir mettre ça de côté. D'accord, on va mettre ça là. Je vais gagner un peu d'espace, je vais remonter ça là. Voilà, donc on connectera les objets ensemble juste après, d'accord? Pour l'instant, ce que je fais, c'est construire mes éléments, d'accord? Qu'on va additionner juste après. Donc en fait, là, on voit qu'on a une ligne complètement droite, d'accord? Et moi, ce que je veux, en fait, tout simplement, c'est qu'au bout de cette ligne, je veux du relief, d'accord? Je veux des espèces de montagnes en relief comme ça. Donc pour ça, en fait, on va faire quelque chose qui fait un peu peur. On va passer en espace 3D, d'accord? Mais ça va être très simple, vous allez voir. On va prendre un image plane, comme ça, d'accord? Et là, en fait, on est bien en espace 3D. Donc, moi, je suis sur un laptop, d'accord? Donc, pour pouvoir me déplacer dans l'espace 3D, j'ai juste à utiliser mon trackpad, d'accord? À faire glisser mes doigts sur le trackpad et appuyer sur Shift, d'accord? Shift, voilà. J'utilise mon trackpad, comme ça. Voilà. Et puis, par exemple, je peux me déplacer comme ça. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà, on a compris le concept. Donc moi, je préfère travailler sur laptop plutôt qu'avec une souris parce que je trouve que c'est plutôt facile de se déplacer dans l'espace en 3D. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur de mon objet. D'accord. Je vais aller dans le matériel juste à côté et puis je vais mettre un gris comme ça, un gris foncé. Voilà. Ensuite, on va aller juste à côté dans les transforms et puis je vais changer l'angle de mon objet, je vais le mettre à 90 degrés pour le mettre à plat, comme ça. Et je vais descendre là et je vais trouver Scale, d'accord? Et avec le Scale, je vais l'agrandir, je vais le mettre en face de moi. Voilà, d'accord? Voilà,
Ok, pour l'instant on ne voit pas grand-chose parce que la couleur est assez similaire à ma grille, d'accord, à mon espace ici. Mais maintenant ce qu'on va faire c'est qu'après cet image plane, on va ajouter un autre qui s'appelle Displace 3D. Ok, Displace 3D, entrée. En fait, pour pouvoir utiliser le Displace Node, il va falloir utiliser un Fast Noise. Je le branche sur mon Displace Node en foreground, comme ça. Et là, on commence à voir des distorsions. D'accord? Voilà, si on regarde, notre objet est maintenant comme ça. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je veux voir, en fait, ce que je veux voir maintenant, c'est la différence de contraste. Je veux voir la lumière qui est appliquée sur cet objet. Donc, pour ça, je vais faire un clic droit dans le viewer. Je vais trouver 3D Options, okay, et Lightning. Okay. Et là, donc, on voit que notre objet est en noir comme ça, parce qu'il n'y a pas de lumière dessus. Et il y a quand même une lumière naturelle pour pouvoir travailler en 3D, d'accord, et voir les contrastes. Donc, si je retourne mon objet juste là, d'accord, voilà, on voit qu'on commence à avoir de la lumière comme ça. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que moi, ce que je veux en fait, c'est pas travailler tellement en 3D. Je veux que cet objet fasse partie de mon espace 2D. Donc, pour ça, en fait, après mon Displace Node, là, je vais choisir un Renderer 3D Node. Voilà. Et puis, je vais mettre deux fenêtres pour pouvoir travailler en parallèle sur les deux plans, d'accord, en 2D et en 3D. Donc, là, on voit que mon objet, il n'est pas raccord juste là. Donc, pour ça, en fait, pour corriger ça, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre, je vais rajouter du scale. Pour couvrir en fait juste la ligne du bas, d'accord? En fait, je veux couvrir tout le bas de mon écran. Voilà. Donc là, en fait, pour l'instant, c'est pas fabuleux, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est que dans le Renderer Node, on va choisir Soft, on va choisir Renderer Type, d'accord? Et OpenGL Renderer. Et ensuite, on va descendre, on va choisir Enable Lightning, ok? Voilà. Donc là, mon objet est noir, c'est normal parce qu'on n'a toujours pas appliqué de lumière. Donc pour ça, pour changer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon Displace Node et puis je vais aller chercher un Directional Light. OK, Directional Light. Et en fait, voilà, je vais le remettre dans mon viewer. Voilà, hop, on va faire comme ça. Et puis en fait, ce Directional Light, il a la particularité, en fait, si on va dans les Transforms, là, d'accord, on va pouvoir changer l'angle de rotation. On va pouvoir appliquer des rotations à notre lumière qui va nous permettre de voir de différence, qui va nous permettre de voir les différences de contraste. D'accord? Et moi, ce que je veux, c'est un maximum de détails sur cet objet-là. Donc, pour l'instant, la lumière, c'est pas important. D'accord? Ce qui m'intéresse là, c'est d'aller dans le fast noise. Et puis, on va commencer à travailler sur cet objet-là. Donc, je vais pouvoir augmenter le contraste, par exemple. D'accord? Voilà, on commence à avoir plus de détails. On peut aller également dans l'image pane, juste là. Retourner dans l'onglet Controls et puis augmenter les subdivisions. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis, pareil, dans le fast noise, d'accord? On peut par exemple descendre le brightness qui va remonter notre objet ou le redescendre comme ça. Et puis là, je peux augmenter également le scale. D'accord? Voilà, je vais choisir quelque chose comme ça. Voilà, là ça me convient, c'est plutôt pas mal. Maintenant que j'ai assez de relief, d'accord, que ça me convient, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un autre node après le renderer. Je vais ajouter un node qui s'appelle Edge Detect. Donc en fait, ce Edge Detect, il a la particularité en fait de rajouter un contour, de déterminer les contours de mes objets. Et là, ça me convient plutôt pas mal, mais ce que je veux en fait, c'est changer la couleur et mettre un bleu électrique comme sur ma grille. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que dans le Edge Detect, là, je vais choisir Mode RGB Edges. Je vais cliquer et je vais chercher Grayscale Edges. Et maintenant, en fait, avec ça, on a la possibilité de changer la couleur de nos contours et les mettre en bleu électrique comme ça. Donc si je descends, j'ai plusieurs paramètres. Je peux également augmenter le softness. Je peux augmenter le brightness. D'accord? Et puis là, des noises, etc. Voilà, on peut ajouter un peu de contraste comme ça. Là, ça me convient, c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'avec ça, je vais rajouter un transform node juste après. D'accord? Donc, je vais faire un peu de place sur ma compo. D'accord? Je vais regrouper tout ça. Voilà. Hop. Voilà. On va avoir besoin de connecter ça vers le bas. Donc, voilà, je mets ça comme ça. OK.
Et puis après ce transform node, et puis en fait après ce transform node là, ce que je vais faire c'est que je vais trouver encore une fois Ages, et cette fois je vais choisir Mirror. Mirror, et je vais décocher Use Aspect and Size. Okay. Use Size and Aspect. Voilà, et puis je vais descendre le X Size, comme ça. Alors pour l'instant on ne voit rien parce que j'ai pas mis dans le viewer, mais hop, on va retravailler en une seule fenêtre. Voilà. Et puis maintenant, si je regarde comme ça, voilà ce que j'obtiens. D'accord? Alors, soit on peut réduire, soit on peut réduire un tout petit peu, soit on peut rajouter du détail comme ça. Voilà. Ça dépend de ce que vous voulez, mais moi j'aime bien à peu près. Voilà, comme ça, là, c'est plutôt pas mal. Donc là, on peut changer également l'aspect. Comme ça, on peut, hop, tourner ça comme ça. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Ouais. On regarde. Voilà. C'est à vous de voir là où ça vous convient le mieux. Après, si vous voulez changer de style, là, vous pouvez retourner dans le fast noise. D'accord? Et puis, tout simplement, par exemple, décocher ici. D'accord? Et puis là, hop, vous voyez, vous avez quelque chose de différent. Voilà. Mais avant, ça me convenait. Mais en tout cas, vous pouvez encore remodifier l'aspect de ces reliefs-là grâce au fast noise. D'accord? Ok. Donc maintenant, je vais redescendre le transform node, là. Et puis. Je vais remonter ma compo juste là. Et puis maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon DVE node et je vais connecter à mon transform node juste là. Parce qu'en fait, je veux ma grille devant ces montagnes-là. D'accord? Donc si on regarde maintenant, voilà ce qu'on obtient. Okay. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remonter mes montagnes en prenant le transform node et puis je vais juste remonter comme ça. D'accord? Voilà. Là, ça me convient. C'est plutôt pas mal. Hop. On bouge. On trouve là où ça nous convient le mieux, d'accord? Voilà, là c'est plutôt pas mal. Maintenant, on voit qu'on a des détails là où il manque des contours, et donc pour corriger ça, ce que je fais, c'est que je vais remonter ma compo, d'accord? Et puis juste après mon transform node là, je vais rajouter un shadow node. Shadow node, ok? Pareil, ce shadow node, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce bleu électrique. Donc, je vais faire un pick-up, voilà. Ok, voilà, et puis maintenant ce shadow node, on a un repère juste au milieu, on peut le remonter pas trop, d'accord? C'est juste pour couvrir celle-ci. Ok, là on y est, c'est pas mal. Et ce que je peux faire avec ça maintenant, hop, on va essayer de regagner de la place pour pouvoir tout resserrer. Voilà, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un rectangle là, que je vais connecter à mon merge. À mon merge 2, et on voit qu'on va pouvoir agir sur la grille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la descendre comme ça, et puis je vais tout simplement grandir ma grille et augmenter le softness. Voilà, et puis en fait, là on peut réajuster le cadre en fonction de ce qu'on veut. Moi, je vais voilà, comme ça me convient. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Donc, si on fait une lecture, voilà ce que ça donne. Maintenant, avec le DVE node, là on peut recentrer en fait. Maintenant, en fait, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement rapprocher cette compo, d'accord? Voilà. Et puis, j'ai resserré un peu le tout comme ça. Et puis, on peut prendre notre soleil là. Donc, je peux faire un contrôle X, d'accord? Et puis, déplacer mon objet juste là. Je clique sur mon node grave, juste là. Contrôle V. Et puis, je peux le déplacer sur ma grille. Voilà. Donc, maintenant, en fait, ce que je veux, c'est que tout ça, toute ma compo, juste là. Soit devant mon soleil. Donc j'ai juste à prendre mon merge 2 à connecter sur mon transform node. Voilà. Et si on regarde, voilà ce que ça donne. Donc ça peut convenir comme ça. D'accord? Moi ce que je veux en fait, c'est on va retourner dans le transform node là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écraser un peu ces montagnes. Donc on prend le transform node des montagnes et puis en Y size, je peux resserrer ça comme ça. D'accord? Voilà. Et puis maintenant, on peut le redescendre pour ajuster. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Et puis maintenant, je vais prendre le transform node de mon soleil. Je vais réduire la taille de mon soleil. Soit on peut le garder comme ça, soit on peut le modifier comme ça. Je vais remonter. Voilà. Et puis, je vais prendre mon merge juste là. Et je vais redescendre ma grille. D'accord? Donc là, ça me convient. Je fais un contrôle F pour recentrer mon viewer. Et puis maintenant, on va s'occuper du background. D'accord? Voilà, maintenant qu'on a construit notre soleil, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quelque chose ici, d'accord, pour donner un peu plus de style, d'accord. Donc pour ça, je vais prendre
un fast noise, je vais le connecter à ma composition juste là, d'accord? Voilà, on obtient ça. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais animer très légèrement, je vais pousser ça juste là. Hop, pardon. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais animer mon fast noise à la frame 0, en fait. Je vais le mettre un tout petit peu par là, d'accord? Je mets une keyframe et puis à la dernière frame, d'accord, je vais le ramener un peu par là. Voilà, je vais rien toucher, je vais pas mettre de smooth, quelque chose de smooth ou quelque chose comme ça. Ce que je vais faire en fait tout simplement, c'est que je vais appliquer un rectangle, d'accord, un masque rectangle, je vais le mettre là, je vais le descendre comme ça, d'accord, on va le mettre à peu près à cette limite là. Je vais le réduire encore un peu et puis je vais l'étendre comme ça. Et puis maintenant, je vais juste augmenter le softness, d'accord, le softness, voilà. Et dans le fast noise là, on va pouvoir rajouter du détail, du contraste, d'accord, et puis du scale, d'accord, voilà. Et maintenant, on va retourner dans le rectangle et puis on va rajouter, hop, du softness comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le merge maintenant, et puis dans le merge, je vais descendre le subtractive et puis un peu le blend comme ça, d'accord, voilà, pour l'intégrer à notre composition. Donc voilà maintenant ce qu'on obtient, d'accord, c'est plutôt pas mal. Je vais redescendre encore un tout petit peu le blend, voilà, ok. Maintenant, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper du background. On va construire un background. Pour ça, on va rajouter des éléments assez cool derrière. Et on va repasser dans un espace 3D. Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. D'accord? Donc, je vais prendre un image plane. Comme ça. Donc, ça tombe bien. La lumière est déjà préparée par notre composition de juste avant. Et après cet image plane, on va voir un nouveau node. Qui est utilisable dans l'espace 3D, il s'appelle Replicate. Replicate 3D Node. Ok, si on l'envoie dans le viewer, rien ne se passe. Ok, on n'a absolument rien du tout. D'accord, et d'ailleurs, on va faire un peu le tour de ce node, comme ça, ça va être assez intéressant. Par contre, si je branche un shape dessus, d'accord, on voit qu'on a quelque chose dans notre viewer, mais maintenant, si je prends ce shape, d'accord. Et puis que je prends un cube, je vais pouvoir descendre la taille comme ça. Et en descendant la taille, on va commencer à voir à quoi sert ce replicate node, d'accord. Je vais aller ici aussi dans les transforms pour descendre le scale. Et voilà. Vous voyez, on commence à avoir des cubes comme ça. En fait, le replicate, tout simplement, il réplique, d'accord, sur certaines. En fait, il réplique sur cette surface. Notre cube, d'accord. Et par exemple, si je vais dans le image plane et que je rajoute des subdivisions, je vais rajouter des cubes comme ça, d'accord. Donc on verra ça plus tard. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans le replicate node. Et puis, par exemple, on peut faire des animations comme ça avec, d'accord. Par exemple, à la frame 0, je vais aller juste à côté dans jitter et translation jitter, ok. Et là, par exemple, on peut faire un clic droit et Animate Jitter Translate Group. Okay. Donc, il va tout de suite mettre des keyframes sur les trois. Et puis, par exemple, je vais dire ici, okay, on va augmenter comme ça. Okay. Hop. Voilà, on peut augmenter comme ça. Voilà. Pour éparpiller, en fait, tout simplement nos cubes. Et puis, par exemple, à la 30e frame, je peux tout simplement tout remettre à zéro. D'accord, bon. Voilà. Hop, comme ça. D'accord. Et donc maintenant, si on regarde notre animation, voilà ce que ça donne. Ok, c'est plutôt cool, hein. Voilà. Donc là, ça me convient. Donc, voilà. Voilà donc ce qu'on peut faire avec ce Replicate Node. Je vais annuler l'animation. Je clique sur la molette. Ce que je vais faire, en fait, tout simplement, c'est juste éparpiller. D'accord. Mes cubes, comme ça. Voilà. Et puis on va mettre tout de suite, par exemple, un directional light. Ok. Directional light. Voilà. On va juste changer
les rotations de cette lumière, d'accord? Juste en fait, mon objectif c'est de voir un maximum de faces, d'accord? Voilà. Pour voir le résultat, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un transform node. Pour voir le résultat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un renderer node. Et puis pareil, on va jouer sur les deux, en 2D et en 3D, OpenGL Renderer et Lighting Enable. Donc là, on voit que c'est un peu petit, d'accord? Ce que je vais faire, en fait, tout simplement, c'est aller dans Shape et puis augmenter le scale comme ça. Là, c'est peut-être un peu gros. D'accord, on peut changer le scale de nos objets comme ça. Et puis en fait, je veux avoir un peu plus de shading sur nos cubes. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner dans la light et puis je vais jouer avec les lumières tout simplement. D'accord? Voilà, quelque chose comme ça. Donc maintenant, on peut rajouter un edge detect et puis avec ce edge detect, grayscale edges, on va reprendre notre couleur un peu bleue comme ça. C'est peut-être un peu vert. Voilà, là c'est pas mal. Et puis en fait on peut par exemple ici rajouter un peu plus d'espace entre les objets. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Je vais rajouter un soft glow. Voilà, là ça commence à être cool. Et maintenant ce qu'on peut faire, c'est prendre cette compo, d'accord, et puis on va la ramener juste là. Et puis je vais connecter tout ça, en fait je veux tout ça en foreground. Donc je prends mon merge 4, je le connecte à mon soft glow comme ça, et puis voilà ce que ça donne, d'accord. On va regarder, voilà. Et puis par exemple, on peut, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis par exemple, en fait, on peut animer. Et puis maintenant, par exemple, on peut animer ces cubes. Donc pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'à la frame 0, je vais aller dans mon Replicate Node. Et puis maintenant, en fait, ce que je veux, c'est quand même avoir du mouvement pour ces cubes, d'accord? Donc pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que dans le Replicate, on va faire Animate Jitter Translate Group, comme on a fait tout à l'heure, d'accord? Mais cette fois, en fait, tout simplement, on va aller là, à la dernière frame, et puis on va bouger, par exemple, comme ça, d'accord? Comme ça. Et puis légèrement, d'accord, pour pas faire une grosse animation, d'accord, je veux juste un tout petit peu de mouvement. Voilà, maintenant on a fait notre animation. Ce qu'on peut faire, c'est regrouper tout ça, d'accord. Voilà, je vais juste réorganiser mon travail. Hop, voilà, je vais remonter ça juste là et puis je vais réaligner mes nodes. Hop, voilà, hop, voilà. Je vais mettre ça là et voilà. Donc je vais rajouter un background, et puis ce background, en fait, on va pas le garder en noir, on va juste changer la couleur, on va mettre en gradient, ok, et puis je vais monter les noirs par là, et puis je vais descendre les blancs par là, et on va juste descendre là, voilà, ok, et puis on va changer la couleur. Par exemple, à la place du noir, on va retourner dans les bleus comme ça, remonter un tout petit peu, et là ce que je peux faire, c'est descendre. Et puis à la place du blanc là, on va ajouter tout simplement, et on va retourner dans les roses comme ça, d'accord. Voilà. Et puis après, on a juste à réajuster ici. Donc je peux prendre le repère là, d'accord, et puis je peux remonter comme ça. Voilà, là on est pas mal. Et puis maintenant qu'on a fait notre background, ce qu'on peut faire également, c'est rajouter ici, on va faire quelque chose d'autre, d'accord, on va faire quelque chose d'assez stylé derrière comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un fast noise. Et puis on va le connecter direct au background comme ça. Voilà, là c'est pas mal. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un masque ici. Je vais prendre un masque comme ça, un polygone, d'accord. Et puis par exemple, on peut faire un truc du genre comme ça, ok. Et puis là, on va faire quelque chose comme ça. Voilà, et puis maintenant que j'ai fait donc mon polygone, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre là, d'accord. Et pour éviter les problèmes, en fait, on va aller dans les paramètres du polygone et on va trouver right click here for shape animation. Je fais un clic droit et puis je vais faire remove polygon
line. En fait, je vais enlever les keyframes. D'accord? Voilà. Je vais enlever l'animation, tout simplement. Et puis là, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'après ce polygone, je vais choisir un autre qui s'appelle Wave. D'accord? Wave. Et je vais prendre mon polygone et je vais le connecter dans la flèche jaune, comme ça. D'accord? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais si je choisis horizontal, voilà, on a quelque chose comme ça. D'accord? Et puis maintenant, ce waviness, je vais l'animer, je vais aller dans phase, d'accord? Et puis là, je vais mettre une expression, en fait. Je vais faire un signe égal, et puis ici, je vais mettre juste 1. Voilà. Et donc là, maintenant, si on regarde, voilà, on voit qu'on a une animation. Voilà, là, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que, on va retourner, donc, visualiser tout ça. D'accord? On peut aller dans le fast noise, là. On va aller juste en dessous, et puis on va descendre. Pour changer la couleur de ça, on va pas prendre du blanc, on va choisir peut-être quelque chose, hop, dans les rosés comme ça, voilà. Et puis tout simplement, soit on peut retourner dans le polyline là et augmenter le softness. On peut augmenter le softness comme ça. Là, c'est pas mal. Ok. Et puis, par exemple là, dans le background, peut-être que là, à la place de ça, je vais mettre quelque chose de d'un peu plus bleu. Et puis après, par exemple, le fast noise, là, on peut tout simplement rajouter du détail. Ok, donc là, si on va là, on va rajouter du détail, du contraste. On peut l'animer, d'accord. On peut par exemple le faire bouger par là. Je vais aller à la frame 0, d'accord. Je mets une keyframe. Et puis je vais aller à la dernière frame et puis je vais l'avancer comme ça de l'autre côté, d'accord. Voilà, et puis on peut augmenter le scale, évidemment. On peut augmenter le scale et puis je vais aller dans mon polyline là. Je peux réduire mon border width, d'accord. Voilà, comme ça, et puis je vais augmenter le softness, d'accord. Dans le merge, en fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est je vais changer le subtractive. Comme ça, et puis le blend. Et puis par exemple, ce qu'on peut faire, c'est ici, d'accord, avec ça, on peut rajouter un merge et puis prendre un background, ok, le connecter comme ça, hop, et le mettre comme ça sur le merge. Et là, en fait, sur le merge là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un flip comme ça. Et là, cette fois, sur ce background là, on va choisir une couleur, une autre couleur, d'accord. On va prendre du bleu électrique. Voilà, pour faire quelque chose comme ça. Et puis on peut changer l'angle, d'accord. Voilà, je peux le grossir également. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, maintenant on a fini notre compo. Voilà, donc maintenant qu'on a fait notre composition, d'accord, ce qu'on peut faire, c'est que après, donc le dernier node, il est où? Il est juste là, d'accord. Donc je vais juste resserrer tout ça, réorganiser tout ça de façon à ce que je puisse avoir accès à cette sortie là. Pour ceux qui ont suivi le tuto de la fois précédente, on avait fait un titre en alpha channel, d'accord, donc on peut aller le chercher dans ces médias et puis le glisser dans le node graph comme ça, et puis on va le connecter tout simplement ici, et voilà. Et donc maintenant, on peut ajouter notre titre à notre composition, et voilà ce que ça donne, d'accord. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement vérifier que celui-ci va bien jusqu'au bout. Alors en fait, quand vous glissez un média, d'accord, il faut vérifier qu'en fait vous avez bien la réglette qui aille jusqu'au bout. Ou alors on peut le garder comme ça, d'accord, et puis juste le déplacer ici. Je vais le mettre à peu près à la 40e frame, d'accord. Et puis là, je vais tout simplement prendre cette réglette pour qu'il aille jusqu'au bout de ma compo. Voilà, donc maintenant je peux resserrer ça et puis tout simplement connecter ma compo au Media Out. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche si ce n'est pas encore déjà fait. Salut !